Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Ensemble, faisons monter vers Dieu notre prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons à la page 48, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre choix. Et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, à la page 50, nous allons dire
joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 104. Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, les versets 1 à 7 et 13 à 17.
Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament, tirée de Jean au chapitre 6, les versets 41 à 51. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ?» Lui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui, a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain de vie qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ainsi se termine la lecture. Un partage. Frères et sœurs en Christ,
Nous adorons l'Éternel, le Dieu souverain, l'unique Créateur qui a toujours pourvu et qui pourvoit encore aux besoins de sa création tout entière. De plus, il fait grâce aux humbles en les attirant à lui, en les enseignant à le connaître et à l'aimer, de par sa grande miséricorde envers les pécheurs. Mais ce Dieu d'amour a un plan encore plus merveilleux pour l'homme. Il lui offre la vie en abondance, la vie pour l'éternité. Accès à cette vie est possible par le seul chemin, par la seule vérité et la vraie vie qu'est Jésus-Christ lui-même, celui qui est le vrai pain descendu du ciel, la nourriture spirituelle pour nourrir, pour soutenir ceux et celles qui répondent à son appel à le suivre et à travailler pour le royaume de son Père. Par rapport au verset 51 de l'Évangile de ce soir, manger le pain que Jésus donne et qui est sa chair a pour signification simplement de venir à lui et de croire en son sacrifice sur la croix qui procure le pardon des péchés et la vie éternelle. Chers amis, ayons toujours faim de la présence du Christ et de sa parole vivante. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, accorde-nous d'être nourris par ta parole vivante, qui est la vérité et qui sanctifie, qui préserve pour la vie éternelle. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Par mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Faisons monter vers Dieu nos prières. Le Seigneur est avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles fuient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner le vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Disons ensemble la collecte pour la paix. Ô Dieu, tu nous fais désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que le cœur s'attache à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demandons ensemble la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons ensemble l'action générale. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous arrivons à la conclusion de cette session de prière.
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous Lord.